J'espère que tout va bien pour vous et que tout se passe bien pour vous. Moi, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo réaction de gameplay que j'ai pris sur la PS4 pour vous l'expliquer sur l'ordinateur. Donc aujourd'hui, on va décrypter 5 petites vidéos que j'ai faites à l'époque. Donc c'était encore sur le chapitre 2. Comme je vous l'ai dit à l'époque, j'ai énormément de vidéos en retard. Donc je l'ai fait 5 par 5 au lieu d'en mettre une par une. Donc avant de commencer, merci de vous abonner, mettre la cloche, etc. Les commentaires, le partage, les j'aime, tout ce que vous connaissez sur YouTube pour pouvoir faire progresser la chaîne. J'ai vu qu'il y avait eu 2-3 désabonnements. Expliquez-moi en commentaire pourquoi ils ont eu lieu. Dites-moi ce qu'il faut que je corrige. Voilà, on va commencer. Alors, comme d'habitude, j'enlève ma tête. Il est urgent que j'aille chez le coiffeur. Hein. Hop, donc c'est parti. On va commencer par celle-ci. J'envoie ma voiture depuis une tour gardienne. Ça, j'ai vu personne le faire. Alors j'espère que le son n'est pas trop fort. Voilà, 20 pour moi ça suffit. Donc voilà, j'envoie ma tour. C'était la saison 8 en fait. Il y a un qui vient de passer. Alors bien sûr c'était en... Comment ça s'appelle? Non, pas fête royale. En labo de combat. Donc j'avais tout le temps de le faire. Voilà. Attends, on va se faire passer sans le... Avec ma musique préférée de fête royale. Voilà. C'était tout. Ensuite, on continue. Je détruis l'hôtel de Believer Beach en entier et en pleine game. Ouais. Avec des lucioles. J'aime bien foutre le feu. Alors... Parce que je voulais tout le stuff qu'il y avait là-dedans. Même si j'en avais déjà assez. Donc évidemment le feu ne détruit pas le... la brique, donc j'ai dû terminer la pioche. Comme je suis un feignant, j'ai continué à la luciole. Ah, il y avait quelqu'un. Non, non, il n'y a plus personne. Oui, l'étape de démolition, on va la passer. Hein. Oh là là, attendez. Voilà, c'est là. Tout l'hôtel en entier, une pluie de stuff, littéralement. Avec des lingots, bien sûr, tout ce qui va avec. Et n'oublions pas que j'étais en pleine game, en MM, ou en BR, hein, pour ceux qui préfèrent. Donc, il y avait tout ce qu'il fallait pour se mettre bien. Bon bah voilà, l'hôtel est détruit, donc le stuff est là. Donc là, pour celle-ci, c'est fini. On va passer à la suivante. Donc non, pourquoi non?
Vous allez comprendre, j'étais tout simplement en top 2. Voilà. Donc le dernier survivant était là, dans la tour gardienne. Et moi j'ai voulu le rush avec des grenades répulsives. Voilà. J'aurais pu très bien faire top 1. Mais, voilà. Non, je me suis pas propulsé grâce aux grenades répulsives. Je me suis propulsé à cause de la tour gardienne. J'avais pas beaucoup de PV, la zone faisait beaucoup de dégâts. Donc je suis tout simplement mort. Non. Et voilà, top 2. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Ensuite, Rocket Trollambe, ça c'était le début. Le début est marrant, mais après, bon, c'est pas trop marrant. Donc là, j'étais en train de conduire ma voiture. J'ai percuté un loup. Après, il y a lui là, à gauche, si vous voulez, sur la flèche. Il s'est propulsé par je ne sais quel moyen et vous allez voir. Il est mort. Ça c'était marrant par contre. Si si, il s'est propulsé grâce aux grenades répulsives qu'il y avait en jeu à l'époque. Hop, il est mort, comme ça. Recharge la roquette tranquillement. Ah là j'avais fait un kill, d'accord. Là je devais recharger la roquette, mais ah oui, c'était une sur deux, c'était pour ça. Oh, le sanglier, ça c'est chiant, ça va. Vraiment chiant. Ah là 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 là. Ça c'est tout. Et enfin la dernière, je suis tué comme une grosse merde. Alors là, c'est très simple, ça va pas durer très longtemps. J'étais en top 8 au sommet de la montagne, mon spawn préféré. J'avais rien à. Oui, comment ça s'appelait déjà ça, le minigun des détours. Il n'y avait rien à faire. Je pouvais rien faire. Je suis mort comme une grosse merde. J'avais même pas moyen de construire, hein, alors. Bon, voilà. Alors. Elle est où? Ah, bah voilà. Donc c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Encore une fois, si elle vous a plu, on n'hésite pas. Même je vous impose de vous abonner, de mettre la cloche de notification, aimer la vidéo, la partager. Sinon vous n'aurez pas de goûter ce soir. Si c'est pour, si c'est comme ça qu'il faut inciter les gens à faire progresser la chaîne. Bon, j'aime pas trop cette méthode-là, mais bon.
Allez, je vous fais de gros bisous, à la prochaine.